Ce mardi 24 janvier, Jane Birkin a annoncé une très mauvaise nouvelle. La mère de Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, qui devait se produire sur scène, a dû prendre une décision radicale car elle serait souffrante. Jane Birkin pensait débuter l'année sous les meilleurs auspices. En septembre 2021, la chanteuse de 76 ans avait connu des problèmes de santé. Victime d'un AVC, elle avait dû annuler sa venue au festival du film américain de Deauville, que sa fille Charlotte Gainsbourg présidait. Dans un communiqué, les proches de la star avaient cependant tenu à se montrer rassurants, en précisant qu'elle se portait bien et n'avait fait qu'une forme légère. Son public avait cependant été plongé dans l'inquiétude en découvrant que l'artiste avait également déprogrammé d'autres événements afin de poursuivre sa convalescence. Cette période n'avait cependant pas mal été vécue par l'ancienne compagne du regretté Serge Gainsbourg. Moi, je savais que j'étais dans de bonnes mains, dans des endroits qui finalement me plaisent beaucoup. Les soins intensifs, je connais par cœur, les hôpitaux français sont géniaux, les infirmières adorables. Point, à Nantes où je suis resté un bon mois, ils étaient formidables, je m'amusais plus qu'à la maison. La vie de l'hôpital, je l'ai connue enfant avec mon père, qui a été malade toute sa vie. Même l'odeur des hôpitaux me tranquillise, avait-elle commenté par la suite. Jane Birkin malade, elle n'a pas pu monter sur scène des mois plus tard, Jane Birkin a finalement pu reprendre ses activités et même remonter sur scène. Le 21 janvier dernier, elle était ainsi à l'affiche du théâtre des Salins à Martigues pour le plus grand plaisir de ses fans, avant la mauvaise nouvelle. Alors qu'elle était attendue sur la scène de l'Opéra Comédie de Montpellier, ce mardi 24 janvier, sa venue a été purement et simplement annulée. L'annonce a été faite sur Twitter par les organisateurs, qui ont également dévoilé les raisons du désistement de Jane Birkin. Souffrante, Jane Birkin est contrainte d'annuler sa venue ce soir à l'Opéra Comédie pour le concert au Pardon, tu dormais. Peut-on lire sur le réseau social? Une procédure de remboursement a également été proposée. Reste à savoir ce dont souffre la chanteuse et si elle sera en mesure d'assurer les autres dates de sa tournée. Elle est notamment attendue le 29 janvier prochain à Lille. De son côté, la star n'a fait aucune déclaration.